Si les partisans de la dictature congolaise ne réalisent pas que Denis Sassou Nguesso est un gros couillon qui n'a aucun projet pour ce pays, nous vous présentons deux vidéos choquantes qui témoignent de la situation catastrophique que traverse le Congo. Après son coup d'État de juin 1997, pourriez-vous nous montrer un seul plan de développement du Congo? Comment peut-on défendre un régime aussi médiocre alors que le pays encaisse des milliards et des milliards de l'argent du pétrole et que l'état des routes soit en si piteux état? C'est tout simplement honteux. C'est... Hein? Pas possible, mais c'est possible, c'est ça la situation réelle de notre travail sur le terrain. Raison pour laquelle nous avons toujours demandé que tout le monde s'implique pour la réussite du projet à tout niveau. Jacques, attention! Mon Dieu, voilà. Mon Dieu. T'as l'hypa. Aïe. T'en suis quatre. Ah ouais. Photo qui t'a mal, il t'a mis sa moto. Ça là? Ouais. En tout cas, Jacques est là. Ah là 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 là. Le pont est cassé. Voilà les conditions dans lesquelles nous traversons. Nous travaillons. Attention. Heureusement que nous n'avons pas amené les ordinateurs. Sinon, c'est... Tout allait être... Ah, bah tiens, qu'à boire tout, hein? Comment peut-on s'accommoder avec de telles images alors que le Congo est un pays pétrolier, troisième producteur de pétrole en Afrique? Aidez-nous à résoudre ce problème vraiment. La route là, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi vraiment. Ah.